It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible to ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you? Sa voix est extraordinaire. Si je mets un disque, dès le premier son, c'est le paradis, c'est merveilleux. Mais j'aime beaucoup l'homme, hein. Vraiment. Le physique, bien sûr, ça serait faux de dire le contraire. Mais j'aime aussi son personnage. Peut-être c'est un tout pour moi. Si je regarde une photo, il sort de la photo, c'est un magnétisme qui est difficile à expliquer, mais qu'on ressent. Quelle place a-t-il pris dans votre vie, Janine? Oh, il a pris la première place. Il a pris une place que jamais personne d'autre pourra prendre. Je crois qu'il est là pour jusqu'à la fin de mes jours. Should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. And the ocean keep from rushing to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, just impossible. L'histoire d'amour de Janine a commencé à Paris, un certain 16 août 1977. Une histoire d'amour curieuse, surprenante, insolite. Une histoire d'amour qui lie deux êtres qui ne se sont jamais connus, jamais rencontrés. Janine et Elvis. Bien sûr, dans les années 60, Janine écoutait les chansons d'Elvis Presley, comme tout le monde. Mais les années passèrent, et peu à peu, Elvis fut oublié. Pour Janine, sa vie d'employée de bureau continuait dans la monotonie et la solitude. Et puis, un jour, il y a 8 ans, un jour où Janine ne s'y attendait pas, un jour pas tout à fait comme les autres, Elvis est entré dans sa vie. Un certain 16 août 1977, le jour de la mort du King. Le grand choc a été le jour de sa mort. C'est, je crois que c'est là que vraiment je l'ai rencontré pour la première fois aussi intensément. Sa mort a été un choc difficile, inimaginable. Il a bouleversé ma vie. À ce moment-là, une autre existence a commencé pour moi. Comme je ne le connaissais pas très bien, j'ai voulu savoir comment il était devenu jusqu'à là, quelle avait été sa vie jusqu'à sa mort, je peux dire. Alors là, je me suis jetée dans tout ce que j'ai pu trouver, dans les livres, dans les magazines, dans les... Et c'est devenu une passion extraordinaire. Quand je dis que je suis née le jour de la mort d'Elvis, c'est bien vrai. C'est-à-dire que je suis née à une autre vie, une autre chose. J'ai changé de vie totalement. Je crois que j'ai même changé de personnalité. Ça a été vraiment, pour moi, une deuxième vie qui commençait. C'est vraiment avant la mort d'Elvis et après la mort d'Elvis. Avant la mort d'Elvis,
Je ne me souviens plus de rien. C'est vraiment le trou. Pour moi, ma vie, une nouvelle vie a commencé le jour où il est mort. Elvis, j'ai acheté des centaines de disques et presque des milliers de photos. Mais j'ai acheté aussi très cher des petits films d'amateurs, des Super 8 inédits. L'image n'est pas toujours très très bonne, mais ça ne fait rien. Le principal, c'est qu'on voit Elvis bouger, on le voit vivre. Et je les regarde souvent, ces petits films. C'est beau de le voir bouger comme ça, c'est étrange. Oui, c'est étrange. Je sais pas. Je peux dire qu'il est entré en moi. Je peux pas expliquer, mais c'est tellement fort que je pense que c'est extraordinaire. Pourtant, c'est vrai. Cette passion qui dure déjà depuis 8 ans maintenant est toujours aussi forte qu'au premier jour. Je pense que c'est pour la vie maintenant. Je ne pourrai jamais oublier la vie que j'ai vécue jusqu'à maintenant, avec sa présence, avec lui. Oui, j'ai toujours l'impression de ce portrait blanc. Sitôt que je rentre dans ma chambre, j'ai l'impression qu'il me regarde tout de suite. C'est très troublant, il est très troublant. Pour moi, c'est une chambre qui est chaude, qui est pleine de tendresse. J'aime rencontrer ses visages, Le soir, quand je m'endors, c'est mon dernier regard. Et le matin, à mon réveil, c'est la première personne que je vois. C'est vraiment le rayon de soleil qui rentre dans ma vie pour la journée. Et je ne pourrais pas m'en séparer. Elles sont, pour moi, je ne peux pas m'imaginer de m'en séparer maintenant. C'est vraiment le compagnon, mon compagnon, mon ange gardien. Depuis qu'Elvis est mort, toutes les semaines, je lui achète des fleurs. Et j'ai toujours acheté des roses. Je les mets chez moi, toujours au même endroit, près d'une photo que j'aime bien. Et puis aussi, pour son anniversaire, je fais envoyer des fleurs en Amérique pour qu'il ait des fleurs sur sa tombe le 8 janvier. Des roses pour Elvis, j'en ai acheté des centaines. J'en ai même acheté plus que ça, je crois en avoir acheté au moins 2000. Enfin, c'est pour Elvis, il le mérite bien. Je trouve qu'il a tellement donné aux gens que c'est normal que les gens lui rendent tout le bien qu'il a fait. Et hélas, je pense qu'il a beaucoup plus donné qu'il a reçu. Vous voyez ? Alors, certainement, oui. Est-ce qu'il a été heureux dans la vie ? Je pense pas. C'est un homme qui a certainement pas dû être heureux. Il n'a jamais eu de vie privée. Non, pour moi, je disais toujours, c'était un bel oiseau en cage. Je pense que c'est un homme qui aurait pu être heureux, oui, certainement. S'il était mieux entouré, mieux conseillé, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose pour lui. Il serait peut-être pas mort. Je pense qu'il devrait être encore en vie maintenant. S'il avait été bien entouré, bien conseillé. Mieux aimé aussi, pour lui. Pas pour ce qu'il donnait. Je suis sûre qu'il vivra encore.
Danny Boy. The pipes. Le portrait qui est ici, que j'ai continuellement devant les yeux, je l'ai dessiné quelques mois après sa mort, quelques mois après la mort d'Elvis. C'est une période qui a été très, très difficile pour moi. J'ai eu un chagrin immense. J'en avais perdu, je ne dormais plus, c'est affreux. Et je l'ai dessiné pendant des nuits. Et il reflète tout le chagrin que j'ai eu par sa mort, toute la détresse. Et je retrouve dans ses yeux, son expression, la peine que j'ai vécue à ce moment-là. Mais je pense que c'est l'émotion, c'est l'amour, faut dire aussi, qui a fait que j'ai pu lui donner ce regard qui est un peu triste aussi, qui demande du secours. On a l'impression qu'il parle. Des fois, si je suis en train d'écrire ou que mon regard croise ce portrait, j'ai l'impression qu'il dit quelque chose. Ça m'impressionne des fois même. Je l'aime beaucoup, même avec ses défauts. Danny Boy. Oh, Danny Boy. Dès qu'Elvis est mort, j'ai eu besoin d'aller où il était. C'était une grande entreprise parce que je ne parle pas anglais. Je n'avais pas une fortune extraordinaire. Je n'étais jamais allée aux États-Unis. Ça représentait pour moi quelque chose qui aurait été insurmontable sans Elvis. Mais j'ai passé au-dessus de tout ça. Il fallait que j'y aille. C'était vraiment... C'était un besoin. J'ai préparé ce voyage avec beaucoup d'émotions. Je pensais toujours que fallait que j'y aille. Et c'était comme un appel. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je connaissais personne pratiquement. Donc j'ai eu toutes mes émotions seules. Je suis entrée dans Graceland seule. Dans la maison d'Elvis, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est difficile à expliquer. C'est une très profonde émotion qu'on ressent. Pour moi, c'est un paradis terrestre. Je me sens différente, tellement calme, tellement... Et puis de savoir qu'il est là, qu'il a vécu là. Il avait choisi d'y vivre et il y est resté. C'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux pour lui. Ça m'a fait une impression bizarre quand j'étais devant sa tombe, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de l'imaginer. Je le revoyais, lui, dans différentes périodes de sa vie. Ça, c'était très, très dur. Non, vraiment, je ne pouvais pas en faire autrement que de l'imaginer. J'ai passé là des heures, vraiment. Il y avait que là que je me sentais bien. Je passais des heures dans ce parc où il avait vécu, dans les allées où il avait marché, regarder les arbres qu'il avait vus, regarder la maison qu'il avait tant aimée, et de le savoir qu'il était là, qu'il est revenu dans sa maison. Pour lui, c'est bien. Il ne pourrait pas être mieux ailleurs. Mais sitôt que j'ai quitté les États-Unis, j'ai eu qu'une idée, c'était de revenir. Et depuis 8 ans, je fais toujours le pèlerinage. Je viens toujours dans cette maison
que j'aime, dans ce parc que j'aime, où je me... il n'y a que là que je me sens bien, dans ce silence, dans ce grand jardin. Et tous les ans, j'y vais. Je pense plus qu'à ça. Dès que je suis rentrée, je pense à repartir. Hein, et je reprépare déjà le voyage suivant. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Quand j'arrive à Memphis, j'aime retrouver le Mississippi. Moi, je l'appelle mon vieux Mississippi. Revoir les bateaux à aube, retrouver la couleur de Memphis, l'atmosphère de Memphis. Et la moiteur aussi, il fait souvent très, très chaud là-bas. This is George Klein for WEZI, Germantown, serving Memphis, Tennessee at FM 94, always light and easy. Quand je suis de nouveau à Memphis, j'aime me retrouver sur l'Elvis Presley Boulevard. Et au bout d'un moment, de se retrouver devant Graceland, qui est finalement le but du voyage. Et c'est très, très prenant. J'ai beaucoup d'émotions à monter dans cette allée qui mène à la maison d'Elvis, de ressentir tous les ans la même émotion en montant ce chemin qui conduit à sa maison. This is George Klein for WEZI Germantown, serving Memphis at FM 94, always light and easy. And we invite you to join us now on the Elvis Hour, a solid 60 minutes of nothing but solid gold of the King, hosted by yours truly, George Klein. Welcome to WEZI's Elvis Hour. The parents at your Christ have been the source, and 85's right out the door, out we close. Chaque fois que je viens à Memphis, une chose me frappe. Elvis a su toucher des gens tellement différents et qu'il n'est pas rare de rencontrer à Memphis des personnages curieux, insolites, mais qui témoignent à leur façon la grande ferveur qu'ils ont pour Elvis. Elvis est dans le cœur de chacun. Et c'est ça qui compte. Memphis peut prendre parfois des allures de fête pendant cette période. Les fans arrivent de partout. Et le meilleur côtoie souvent le pire. Je pense surtout aux boutiques qui font un commerce de l'image d'Elvis. C'est un commerce de mauvais goût que je n'aime pas. Et les fans, comme moi, pensent que c'est un manque de respect vis-à-vis d'Elvis. Les vrais fans n'apprécient pas du tout ce genre de commerce. Ça ne devrait pas exister. That's the 10 cents. Mais chaque vrai fan porte finalement Elvis dans son cœur et en certaines occasions laisse éclater sa joie. Et je pense qu'Elvis le comprend parce qu'il aimait bien aussi s'amuser. This is George Klein, WEZI Germantown.
Germantown, serving Memphis, we invite you and welcome you to the Elvis Hour. Cette année, j'ai eu la chance de rendre visite à George Klein. George Klein, c'est un animateur de radio très connu à Memphis. Et j'ai eu la chance de le surprendre dans son travail. George, et c'est ce qui est très important à mes yeux, c'est surtout un ami fidèle d'Elvis et un ami de longue date. Elvis et lui ont été à l'école ensemble. Elvis a même été son témoin de mariage. Ils étaient donc très intimes, ils étaient très liés. George accompagnait souvent Elvis dans ses tournées et aussi dans les studios d'enregistrement. J'ai aimé comment George Klein m'a parlé de l'immense attrait qu'exerce encore aujourd'hui Elvis sur les gens qui viennent ici par milliers à Memphis. The reason that Elvis continues to draw... La raison pour laquelle Elvis continue d'attirer autant de monde ici, à Memphis, n'est pas si difficile à expliquer lorsqu'on y regarde de plus près. Parce que nous parlons d'un homme qui a vendu 1 milliard de disques. Personne dans l'histoire du business de la musique n'a vendu 1 milliard de disques. Nous parlons d'un homme qui a changé la musique au début des années 50. Avant lui, il n'y avait jamais eu de musique appelée rock'n'roll. Il a donc donné au monde un nouveau type de musique, en laissant une grande et durable impression. Les deux choses les plus connues dans le monde entier sont probablement Elvis Presley et le Coca-Cola. Quand vous êtes une personne de cette dimension, vous n'êtes jamais oublié. On est oublié quand les gens cessent de parler de vous. Et les fans d'Elvis n'arrêteront jamais de parler de lui. Il sera donc toujours présent. Elvis a apporté beaucoup d'amour aux gens. Il a réuni d'innombrables personnes avec ce mot, amour. C'était le deuxième prénom de sa mère. Et s'il fallait résumer en un mot ce qu'Elvis a apporté au monde avec sa musique, je crois vraiment que c'est l'amour. You have made my life complete, and I love you so. Chaque fois que je viens à Memphis, je suis heureuse de voir à quel point la musique d'Elvis est présente. Omniprésente, même, je devrais dire. Ça fait chaud au cœur de voir que Memphis, la ville qu'Elvis a tant aimée, ne l'oublie pas. Oh, I wish I were in a land of cotton. Oh. Look away, look away, look away, Dixieland. Une des très grandes joies que j'ai eues cette année à Memphis, c'est de pouvoir voir de près tous les musiciens qui ont entouré Elvis. Des gens qui ont débuté avec lui il y a pas loin de 30 ans, 25 ans, notamment les Jordanaires qui ont été dans de nombreux films avec lui qu'on peut toujours voir. Ils aimaient beaucoup Elvis d'ailleurs. On voit quand j'ai eu l'occasion de voir des photos, des films, où on voit le bonheur qu'ils partagent de travailler ensemble, parce que c'était sans doute très agréable de travailler avec Elvis. On voit dans leurs yeux aussi qu'ils l'aimaient beaucoup. Dixieland.
j'ai beaucoup aimé pouvoir les voir de près, leur parler, pouvoir avoir des autographes et tout ça. C'était vraiment un moment exceptionnel que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié. Et j'ai pu leur parler comme j'ai pu, parce que je ne parle pas très bien anglais, mais enfin, on se comprend, on n'a pas besoin d'échanger tellement de paroles. C'était sensationnel. L'impression qu'ils chantaient pour moi, c'était une impression un peu étrange. Et ça faisait un peu rêver. Enfin, je pensais quand même à Elvis, bien sûr, parce que j'aurais bien aimé qu'il soit là aussi, mais de côtoyer tous ses amis, c'était quand même un grand bonheur. Je pense qu'avec la ferveur avec laquelle je l'aime, je crois que j'aurais réussi à l'approcher. Ça, c'est certain, je pense, mais je suis sûre. Mais oui, j'aurais aimé le rencontrer, mais seulement le voir, seulement l'approcher. Ça vous aurait suffi? Ah, oui, oui, je pense. Hein. Je pense que ça m'aurait suffi seulement de le voir en vrai, avec son regard, avec son sourire, pas que c'était extraordinaire. Tous les fans qui l'ont vu disaient en film, c'est encore rien, mais vivant, il est encore plus beau, il est encore plus extraordinaire qu'on peut l'imaginer. Il avait un magnétisme extraordinaire. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. Un de mes grands moments aussi cette année à Memphis, c'est d'avoir pu visiter un des studios où Elvis a enregistré 8 disques d'or et des chansons magnifiques. Et malheureusement, ce studio est de plus en plus abandonné, mais il est animé par un homme exceptionnel qui aime Elvis comme c'est pas possible. Il s'appelle Bill, je l'adore, et il me le rend bien. Et j'aimais voir Bill parce que je sais qu'Elvis a chanté là, enregistré là, il a eu ses micros, il a été aux endroits où j'étais en même temps. Puis j'aime l'ambiance, ce studio qui est un petit peu maintenant dépassé, un peu dissuadé, mais quand même qui a vu tant de choses, qui a vu Elvis vraiment dans une forme éblouissante.
rush you, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. De voir cet endroit, d'imaginer Elvis, d'entendre sa voix, c'est... je l'entends encore en ce moment. C'est des moments inoubliables. Je me revois encore dans la régie avec la vitre et tout ça, avec Bill, les micros et tout, et c'était adorable. Take my hand, take my hand. You're a real Elvis fan. What I'm going to do is something I haven't ever done for anybody else. This is the first time that this has been out of the case, and I've let anybody wear it. Bill m'a fait un grand honneur. Je crois qu'il l'a fait qu'à moi. Il m'a mis autour du cou la cravate qu'Elvis a reçue quand il a signé son contrat avec RCA. Enjoy. Ça, c'était alors... un moment d'émotion fantastique. De sentir cette cravate autour de son cou, c'est inimaginable. Bill est gentil avec moi parce qu'il m'a dit qu'il n'avait jamais fait ça pour personne d'autre. Chez moi, à Paris, il ne se passe pas de semaine, même plusieurs fois par semaine, sans que je reçoive du courrier d'amis proches ou lointains qui partage comme moi la grande passion pour Elvis. Hello, chère Janine. J'espère que votre voyage de retour en France s'est bien déroulé. Moi, j'ai quitté Memphis pour aller dans le Mississippi. Comme promis, je vous envoie un petit souvenir de notre rencontre. Ces quelques photos prises chez Elvis vous rappelleront sans doute de sympathiques moments. C'est une lettre de mon ami John Carpenter de New York, qui est un grand collectionneur, un grand Elvisien. Je l'ai rencontré il y a quelques années à Memphis, et ce qui est extraordinaire, c'est cette spontanéité entre les fans. Dès qu'on se rencontre, on s'aime tout de suite, il y a une grande sympathie qui passe entre nous et on garde toujours une correspondance, on échange nos adresses, on s'envoie des photos, des documents, enfin... toute l'année, on est avec Elvis entre nous. Voyons ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il a découvert, ce grand collectionneur. Si je vous écris aujourd'hui, chère Janine, c'est que je suis impatient de vous parler de la rencontre extraordinaire que je viens de faire dans le Mississippi. J'ai rencontré un homme, un fan de Elvis, absolument incroyable.
Cet homme qui vit dans la petite bourgade de Holly Springs s'appelle Paul McLeod. Sa ferveur pour le King est si grande qu'il a transformé son visage pour ressembler à Elvis. Paul est employé de pompe funèbre, mais a décidé de ne travailler qu'à 50% pour pouvoir se consacrer à sa grande passion, Elvis. Did I get any phone calls today? Yeah, a lot of Elvis's fans has been calling. Oh, okay. A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's the name of his latest flame. Paul, qui est devenu tout de suite une amie, m'a amené chez lui dès notre première rencontre. Il vit là avec sa mère, sa femme, son fils et sa collection. Car Paul collectionne tout, absolument tout ce qui concerne le King. Et, comme pour se justifier, il m'a dit. Il n'y a jamais eu qu'un seul Elvis. Il n'y en aura jamais d'autre. Il était unique. Il a créé un style qui restera pour toujours dans le monde. Et ceci jusqu'à la fin des temps. Quand j'ai entendu la voix d'Elvis pour la première fois, il y a 30 ans, c'était comme un aimant qui m'attirait à lui. Et j'ai commencé à collectionner des tas de trucs et je continuerai jusqu'au jour de ma mort. 24 hours a day, 7 days a week, 365. J'ai vécu toute ma vie, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an, 30 ans de rien d'autre que de Elvis. Je crois que je ferai inscrire sur ma tombe, ici gît le fan de Elvis number one. Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore. Paul a une collection complètement folle et délirante. Plus de 14 000 objets, tous consacrés à Elvis. Statuettes, disques, vidéocassettes, poupées, journaux, photos, tableaux, posters. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Pourtant, Paul a un grand regret. Il ne possède aucun vêtement original ayant appartenu au King. Ah, j'oubliais. Vous savez quel prénom Paul a donné à son fils? Eh bien, sachez, Janine, qu'il a appelé très officiellement Elvis. Hey, Elvis. So, my wife and mother got together. Ma femme et ma mère, m'a-t-il dit, m'ont fait un costume comme celui que portait Elvis dans les années 50 et qu'il a mis pour différents concerts. Mais la différence avec le costume d'Elvis, qui avait coûté 10 000 $, c'est que le mien a été taillé dans une paire de rideaux. And it's a pretty good copy of it and everything like that. And I used to wear it. My son now, it was named after Elvis. Avant, je le portais, mais maintenant, c'est mon fils à qui j'ai donné le prénom d'Elvis qui le met avec succès. Pretty good job for being made out of a pair of curtains to resemble the original suit, because a lot of people have. C'est plutôt un beau boulot quand on pense qu'il a été taillé dans des rideaux. Beaucoup de personnes nous ont fait des compliments pour ce beau travail. J'en suis très fier. Name my son after Elvis, and I'm real proud of that too. Et je suis très fier aussi d'avoir appelé mon fils Elvis. Je ne pouvais pas lui donner un autre prénom. Paul souhaite de tout cœur que son fils Elvis poursuive plus tard sa collection. Et en attendant, pour qu'il ressemble le plus possible au King, il n'hésite pas à lui teindre les cheveux en noir.
Ce fétichisme un peu morbide à l'égard du King m'a mis assez mal à l'aise. Mais il témoignait de la totale sincérité de cet employé de pompe funèbre qui voulait sans doute mériter son titre mondial de fan de Elvis No. 1. Après avoir passé de longues heures dans ce temple dédié à Elvis, j'ai quitté ce brave Paul McLeod, j'ai quitté Holly Springs, Mississippi, et j'ai repris ma route. J'arrête là cette lettre et vous laisse sur ses impressions. J'espère vous revoir à Memphis l'année prochaine, et dans l'attente, je vous adresse, chère Janine, mes plus amicaux messages. Votre toujours dévoué, John Carpenter. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long. Une de mes très grandes émotions de cette année, c'est lorsque j'ai porté ma couronne de fleurs à Elvis. J'étais devant la grille qui était fermée et elle s'est ouverte tout doucement pour me laisser passer avec la couronne. J'ai aperçu le grand chemin qui mène à Elvis. C'est une émotion incroyable. C'est un moment que je n'oublierai jamais, de voir cette grille s'ouvrir pour soi. C'est inimaginable. C'est vraiment quelque chose d'inoubliable. I love you, and I always will. Love me. Ce qui était très émouvant, c'est de la montée pour aller jusqu'à sa tombe, de tenir cette couronne qu'on savait qu'on allait lui porter. C'était vraiment un moment inoubliable. Ça, je me reverrai, je crois, toute ma vie dans ce chemin avec la couronne pour Elvis. C'était pour moi un grand moment de cette année. Love me tender, love me true. J'avais fait faire donc cette couronne pour Elvis que personnellement j'ai trouvée très belle avec son bouquet de roses, ses rubans bleus et la superbe photo d'Elvis. Et moi je trouve qu'elle était très belle avec beaucoup, avec ses roses, son ruban qui dit jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est des paroles de Love Me Tender, ce sont ses dernières paroles. Ça veut dire que je l'aimerai jusqu'à la fin des temps. Et c'était plus que des paroles de chansons? Ah oui, oui, c'est un message. Comme on fait, tout le monde met un petit message sur ses... Tout le monde parle à Elvis, disons. Les couronnes qu'on lui fait, c'est un peu un dialogue avec lui. Très intense. Different point of view. And even though I am shattered, it's easy for you. You don't have to face the music. You don't have to face. C'est là qu'on voit l'amour qu'on partage, l'amitié qui nous lie tous pour la même personne. C'est des grands moments, ça. Oui, voyez, mes amis, là. On retrouve des amis qui aiment Elvis comme moi. C'est fantastique, cet amour qui réunit tout le monde de tous les pays. Là, ces dames sont américaines, mais... J'ai des amies japonaises et on est tous. Et mon amie Liliane qui vient avec moi.
Et c'est grâce à Elvis, grâce à l'amour d'Elvis, qu'on est tous réunis. Et c'est merveilleux. Mais c'est aussi beaucoup de joie. C'est des larmes, mais aussi il y a tellement de bonheur, tellement de joie. Elvis a su donner tellement de bonheur au monde que c'est, il mérite qu'on se souvienne toujours de lui. Que ça dure jusqu'à la fin des temps. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. Grâce à un film Super 8, je peux revivre ce qui a été pour moi l'un des plus grands moments que j'ai ressenti lors de mon dernier voyage à Memphis. C'est le Candlelight Ceremony. C'est un merveilleux pèlerinage qui se déroule dans la propriété même d'Elvis durant la nuit du 15 au 16 août. C'est la nuit qui a précédé sa mort. À la lumière des bougies, des milliers de fans arrivent de partout pour participer à cette nuit du souvenir. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a tous une chandelle et on est autorisé à entrer de nuit à Graceland. Et les fans, un par un, vont... Et on monte tous les uns derrière les autres en silence. On entend Elvis qui chante des gospels. C'est le moment le plus émouvant de cette semaine. C'est quelque chose d'incroyable. You'll search and you'll search, but you'll never find. Dans le monde entier, les gens viennent du monde entier se recueillir sur sa tombe. C'est quelque chose d'exceptionnel. On arrive devant lui, on s'arrête un peu. On pense à lui intensément. Et ensuite, on fait le tour du Meditation Garden et on redescend. Et on croise tous les autres qui montent à leur tour. C'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Elvis. Le plus beau témoignage d'amour et de respect. C'est beau, c'est pour Elvis. Ce soir-là, on est des milliers à partager cet amour. Je pense qu'on sait l'aimer comme il a su nous aimer aussi, finalement. C'est un retour. Il aimait son public. Il adorait son public. On a dit que c'était une histoire d'amour entre Elvis et son public. C'était l'amour partagé. Et entre vous et lui? C'est beaucoup d'amour aussi. Beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, beaucoup d'amour. De grand amour, avec un grand A. Une des plus grandes émotions que j'ai vécues cette année, c'est ma visite au Trophy Room, où sont réunies toutes les affaires, tous les vêtements d'Elvis. Parce qu'il y a énormément de choses, mais ce qui me touche le plus particulièrement, ce sont ses costumes. C'est vraiment une beauté extraordinaire. Avec ce rouge.
quand il s'élevait, c'est fabuleux. Pour moi, c'est incroyable. Je les ai touchés un par un. C'était un moment incroyable. J'ai pu toucher tous ces costumes, soulever les capes. J'ai recouvert ses épaules avec les capes. J'ai eu des moments vraiment où je me demandais si c'était vrai. Et c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. J'étais très, très émue. J'ose pas la défaire. Enfin, ces costumes étaient vivants. De les toucher, c'était un peu comme si on le touche lui. Bon, ben, malheureusement, c'est pas possible, mais c'était un peu une compensation à ce que j'ai jamais eu. J'ai pu toucher ses manches. Je me revois encore en train de toucher le bas des manches. J'ai caressé la cape, je me souviens, j'ai caressé la cape d'Aloha. C'est incroyable. Je sens les... Il y a des attaches derrière où ils passaient les mains pour prendre les capes pour faire le salut. C'est rutilant, c'est émouvant. En même temps, c'est très lourd, c'est un beau travail, c'est beau, c'est bien fait, c'est beau. Alors, quand il s'allait sur la scène avec les lumières des projecteurs, c'était fabuleux. C'était vraiment un roi. Ce costume, c'est le plus émouvant de tout ce qu'on a vu parce que c'est le dernier costume qu'il a porté. Et il l'a porté à presque tous les derniers concerts de sa vie. Alors, il a une signification vraiment exceptionnelle pour moi, pour tous ceux qui ont aimé Elvis. Oui. Je le voyais. Je le voyais comme s'il avait été là. C'était une présence, mais dure, parce que finalement, il n'y avait plus que ses costumes. Mais quand même, j'ai aimé les toucher. De toucher cette cape, cette superbe cape, tout blé rouge, drapé dedans. C'était merveilleux. Je le voyais en train de saluer sur la scène. Enfin, j'imagine, parce que je n'ai jamais vu. C'est votre grand regret? Oh, c'est un regret immense. Vous auriez payé cher pour le voir? Oui, sûrement. J'ai fait des sacrifices énormes pour aller sur sa tombe. J'aurais fait des sacrifices énormes pour le voir vivant. C'est de ma faute. J'ai pas d'excuse. Je m'excuse pas. To dream the impossible dream. To fight the unbeatable foe. To bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. Oh,
without question or pause, to be willing to march into hell. And my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. And the world will be better for this. Oh, that one man, born and covered with scars, he still strove with his last ounce of courage, oh, to reach the unreachable star. Thank you very much.